Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai écouté, ça va plutôt nickel. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Amanda The Adventurer. Vous avez été extrêmement nombreux à avoir vu la première vidéo. Là, à l'heure à laquelle je tourne, on est un jour après la sortie du premier épisode. Voilà, j'ai pas eu le temps de regarder vos retours, etc. Mais vous inquiétez pas, je vais regarder ça très rapidement. Alors pour vous reconstituer un petit peu le premier épisode, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, on a fait la première fin, la fin la plus normale. On a débloqué le premier sticker et nous allons faire une nouvelle partie pour voir un petit peu ce qu'on peut débloquer. Donc là on va faire une nouvelle partie. Alors voilà, maintenant on a le message au complet. Riley, si tu dis ceci, c'est que tu ne me reverras plus. Du moins pas avant la prochaine vie. J'aurais tant aimé pouvoir tout te raconter, je ne sais pas combien de temps il me reste, et j'ai encore beaucoup à faire avant de partir. Je t'écris donc cette lettre pour te faire mes adieux, mais aussi pour t'informer que je te lègue ma maison à Kensdale. Que les dieux me pardonnent si je fais une erreur en te confiant ce qui suit. Une fois que tu auras emménagé, va faire un tour au grenier et cherche une cassette. Mais surtout prends garde, dès que tu commenceras à la regarder, tu ne pourras pas faire marche arrière. Prends soin de toi, mon trésor, je serai toujours à tes côtés, ta tante Kate. Voilà. Maintenant vous avez la traduction en français, en très très bon français. Alors vous allez le voir, le jeu est un petit peu plus beau qu'avant, puisque j'ai changé les paramètres. J'ai mis en 1920 par 1080, mais cette fois-ci j'ai mis les graphismes au plus bas. Du coup forcément vous aurez une meilleure qualité visuelle qu'avant. Donc voilà, désolé d'avoir pas fait les paramètres d'avant. Alors nous allons faire quelque chose tout de suite maintenant, car vous savez dans le premier épisode nous avions trouvé des choses intéressantes. Ici déjà on sait que c'est qu'il faut marquer Guts. Voilà. Et non merde, c'est par là. Voilà. Et là il faut trouver le S. Et voilà. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on avait vu dans le cahier qu'il fallait couper la tête de la poupée. Donc c'est ce qu'on va faire immédiatement. Oula, elle a fait un de ses cris, mon ref. On a deux piles. Alors, on va les poser là. Je sais pas à quoi ils servent, mais on va voir peut-être après. Pareil, je sais que là-dedans, c'est 826. Je sais pas si vous entendez mes clics de souris par contre, mais bon, ça c'est pas très très grave à la limite. Attendez. Hop. Voilà, je mets le micro comme ça, au moins je suis sûr. Je m'éloigne un peu, enfin j'éloigne le micro un petit peu, voilà. Alors, et voilà. Bon, vous entendez mes clics de souris. Attendez, je regardais. Ouais, vous entendez un peu. Merde, il faut tourner. Alors on a le bouton pause, alors ça on sait que c'est là-bas. Donc ça, ça va pas être très compliqué à la limite. Et on a le bouton pause sur la téloche. Et voilà. Impeccable. Maintenant. Alors par contre, il n'y a pas de truc à pile. Peut-être pour le four. Non, pour le four, je pense pas que c'est ça. Wesh, détends-toi. Je sais pas. Prudence, blablabote ne doit pas être mouillé. D'accord. Bonjour, je suis Blablabot. On va bien s'amuser. D'accord. Y a un truc sûrement à faire avec Blablabot. Dans notre quartier. Ok, j'ai une idée. Vu que c'est marqué dans notre quartier, c'est le nom aussi d'une cassette. Hein, si on se souvient bien de la première vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir. On avait quand même commencé le jeu par là. J'ai une idée.
On va faire les premières cassettes, d'accord? On va trouver celle dans notre quartier. On va être hyper attentif à ce qu'il y a. Mais vous vous souvenez, quand on devait choisir la carte pour Amanda, il y avait un truc au-dessus avec des notes de musique. Et peut-être qu'il y a des chiffres. Donc, je sais pas, je vais aller voir. Ok, on est parti. Donc là, ça va être un peu chiant. Ça va être un peu la première partie de la vidéo. Allez. My favorite is peach pie. What's your favorite kind of pie? On réécrit ce qu'on avait mis la dernière fois. Voilà. That sounds delicious. Today we're going to make an apple pie. Oui, bah oui, bien sûr. First, we need to cut the apples. Do you know what we can use to cut the apples? Un couteau. We can't use that. Bah si. Ah, je l'ai peut-être mal écrit. Job. We can use a sharp knife. I don't think we're supposed to do that by ourselves. It's always good to be brave when you're by yourself. Look, I'm a pirate. Ah, mais elle est flippante, hein. Je te jure, c'est vrai. Okay, Willy, let's cut the apple. That was hard. We have almost everything we need to make our pie. Je peux pas skip parce que... We just need some sugar. Okay. Do you know where we keep the sugar? Is it in the pantry, the refrigerator, or the sink? Great, let's make a pie. Can you smell the apples and cinnamon? Okay, it's time to bake a pie. First, preheat the oven to 425. I don't think we should be using the oven by ourselves. We should always ask a parent to help. I'm not sure where they are. Ça va être un peu la partie chiante, hein. Je suis désolé, mais j'ai pas le choix si je veux faire les bons trucs. Preheat the oven to 425. Ah, et ça aussi, on va devoir le faire du coup. Then put the apples into the pie tin. 425 à 40 degrés, ça je m'en souviens. Put it in the oven and bake it for 40 minutes. Our pie is ready! I can't wait to eat it! Willy, let's have some pie! Bon, en vrai, cette cassette-là, c'est la moins flippante de toutes, hein. Ok. Bon, du coup, là... Elle va pas commencer à me gaver, lui. On va prendre la petite pomme là-bas. Peut-être y a moyen. Hein. Ah mais ouais, carrément. J'ai une idée. Parce qu'elle m'a l'air bien cachée quand même. Alors c'était 425 à 40 degrés. Enfin, pardon. 425 à 40 degrés. D'accord. Bon, du coup ça nous sert à rien. Mais je sais pas pourquoi il était planqué. Nickel. Ok. Là, on va devoir se concentrer, les gens. J'ai le bouton pause en plus, donc ça va être bien. Hi friends, I'm Amanda. And I'm Wooly. What do you like best about your neighborhood? Ta sœur. That's great. I like that there are so many friends in my neighborhood. Today, ah. I want to send something special to my friend. First, I need to go to the store to buy them a card. Do you know where the store is? Bah le 24/7 là. Good job! Let's go to the store. Let's pick out a card. My friend. 15/03/25. Merde. 15/03/25.
Ah. 1, 5, 0, 3, 2, 5. Ah. Transmet mes condoléances à Kate. Oula. Ah ouais, la... wesh. I don't want to play anymore right now. Ouais. Superbe. Ok, on arrive à une autre fin là, ça va être intéressant. Félicitations, tu as un an de plus. Je te souhaite de passer la meilleure année de ta vie. 08 bougie, 8 de bougie. Y'a pas un code là quelque part, enfin là-dessus? Non. Ok. On a une bougie là. Ça me paraît bizarre leur affaire. Ah, ça peut être, c'est peut-être un 1 finalement. Parce que là, il n'y a qu'une seule bougie sur le gâteau. Donc 081 30 minutes à 325 degrés. Ok, notre bougie. Et oh non, score du calcul. Que ton année se remplisse de joie et de bonheur. Bisous, blabla bot. Alors, ah, il y a deux bougies sur le gâteau là. Donc la bougie, ça doit être 2. 2 fois 4. Attendez, il va falloir que je prenne un stylo là. Sinon, je vais jamais m'en sortir. Je prends dans ma trousse, voilà. Hop. Ok. 2 fois 4, ça fait 8. Bon, je me fie à ce que me disaient mes maîtresses. Hein. 5 moins 2, ça fait 3. 2 fois 2, 4 plus 1, 5. 2 divisé par 2, ça fait 1. 6 et 2 moins 1, 1. On a... Alors, attendez. Bon, je triche un peu, je prends des notes, mais sinon, je ne vais jamais m'en sortir. 8, 3, 5. 161. Et là, on valide. Je suis un génie. CCD, CFE. Ah, c'est joyeux anniversaire, ok. Mais il est tout mignon. Et il y a plein de gens qui le trouvaient flippant dans le jeu, ce truc-là. Mais moi, je sais pas, il... Il me fait de la peine un peu. Ouais, je... Non, non, arrêtez. Oh, ça fait bader de fou. Je sens qu'il va y avoir un gros screamer de mort là. I don't have much time. Do you trust me? Lily, ready for an adventure? Amanda, I know you can't. Lily had an accident. When a friend has an accident, sometimes nobody can help them, but we can try. Okay. No, Amanda, I'm fine. I just. Poor Lily is so confused. We really have to help him. First, we have to know what is wrong. What part of Wooly is broken? Wooly's head is broken, okay. But Dr. Amanda is here to help. Let's prepare the patient. Here, Wooly, drink this. I don't know, Amanda. It's all just pretend, isn't it, Wooly? Amanda. Oh, la drogué. La tête qu'elle faisait. We need to operate immediately on the patient's brain. Non mais là c'est plus drôle.
What tool should we use to fix Wooly's head? The saw, mais avec ta grosse hammer, tête là. Or the forceps? Mais gros, je sais pas moi ça. That might be helpful, but what else could we use? Ça? Things could get really messy if we use that. Bah ça alors. That looks hard to use, but I could try. Bah ça. I tricked you. We're going to use all three. Et wesh, frère. The patient is getting rowdy. I'll need a little help here. Help me, please. Je m'en fous, j'ai de pelote. Je vais des pelotes, j'en ai rien à foutre. Lui. You're not going to help me? Fine, I can do this by myself. No way. Superbe. Ok, une des... Attends. Film préféré de Riley. C'est gribouillé, j'ai dû lire à travers les gribouillages. Hein. I'm blue. Oh. Hi. What? Treat. J'ai rien compris. C'est bon. On va revoir, on va essayer de mettre pause sur quelque chose. I'm blue. Ouais, pareil, ils sont complètement buggés. Hi. Salut. Cat. STF. STF. On va voir sur le piano vite fait. Y a pas de S. Salut. Bonbon, friandise. Ah, y a une cassette dessus. Je peux pas la récupérer. Bien sûr que si. Été 1954 bordel 54, la VHS existait même pas je crois. I'm allergic to apples. Ouais. How many chairs? Combien de chaises? Une. Mais il n'y en a qu'une hein. Il n'y a qu'une seule chaise hein. Bon, moi j'en vois qu'une perso. How many mushroom. C'est les champignons mushroom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 7. Shrooms. How many? Combien de fruits? 5, 6. 1, 7, 6. How many lights? Combien de lumières? Une. Un, sept, deux pardon. Un, sept, six, deux. Un, sept, six, deux. D'accord. On va essayer de rentrer. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être au niveau des chaises en vérité. C'est des caisses, c'est pas des chaises. Oui, il y en a deux de chaises. Je suis un abruti. C'est bon. C'est... Oh, je suis con. Peut-être c'est là-dedans en vérité. Ah non, c'est moi. Hein. On va regarder sur 2762. Hein. C'est pas ça.
On va re-regarder la cassette là parce que ça commence à me travailler là. I'm allergic to apples. How many chairs? Combien de chaises? Il y en a une. Je regarde. Deux. Pour moi, il n'y en a que deux. Je retiens deux. How many mushrooms? Ok, on va s'accroupir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On avait compté 7. 2, 8. How many fruit? 2, 8, 6, ça je m'en souviens. Ouais, c'est ça. 2, 8, 6. Many 2862. Ce serait ça le code. Je suis un abruti, c'est moi. Oh gros. Ah, ça m'a fait trop peur. Il y a eu un bruit, il m'a fait grave peur. C'est marqué quoi? Vidéo familiale, je crois. Hein. Ah, je suis obligé de terminer la cassette du coup. Ouais, bon, c'est bien, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ça me... Ah. Ouais, je n'étais sûr qu'il fallait faire ça à un moment, mais... Eh, dans la vraie vie, ça se remplit pas aussi vite, hein, ce Monkey Told G. Ok, et je fais quoi avec ça? Ah, je te le balance dessus? Vas-y, hein. Ne m'oublie pas. J'ai peur. Wesh. Oh, j'ai eu tellement peur. Oh non. Oh, le non-respect. Une clé. Une clé. Une clé pour ça. On peut partager. Et on a découvert plein de trucs, hein. On peut partager. Bah, elle est un peu buggée, ta cassette là, moi. Hi, I'm Amanda. When you're friends, ouais, you can share all kinds of things with each other. I can share my crayons with you, so you can have fun coloring too. Look at silly Mr. Fox. Wish me. Sharing shows you care about someone. Friends can share toys. They can share snacks. Ouais. I'll share some of my snacks with you. Which snack would you like? Wesh, couscous. Fromage. Moi, je veux le steak. Yum, that's my favorite. Ah ben d'accord. Friends can share other things too. They can share secrets. D'accord. Can I share a secret with you?
Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Are you sure? It's a big secret. Oui. Is it really okay to ah, mais c'est mon frère. With you? I'm out there. Somewhere. Ouais. Je... Oh. Oh, ça m'a fait peur, maudit. Oh oui. Parti. Let's go. Oh. Restons. Ouais. Je... Oh, le jour il se lève. What? Bon, j'accélère. Hein. Bah on a débloqué la fin, la fin normale du truc. Donc voilà, les gars, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Moi, j'ai trouvé abusé le nombre de trucs qu'on peut faire dans ce jeu. Genre vraiment, la toute première fin, la fin la plus basique, c'est 10% du jeu, genre vraiment. Parce que là, on a débloqué les coffres, on a travaillé avec le robot, on a fait avec les coffres, avec... Mais franchement, ce jeu, il est incroyable. Il est trop bien fait. Et c'est pas le meilleur jeu. Je dirais pas que c'est le meilleur truc que j'ai vu de ma vie, tu vois. Mais ça reste quand même un très bon jeu d'horreur. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, les gars. On essaie de dépasser la barre des 200 abonnés pour la fin de cette année. Ou au moins jusqu'au mois d'été. J'espère passer le nombre d'abonnés. Au moins dépasser les 180. Tu vois, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé les gars de ce deuxième épisode et de cette deuxième fin du coup. J'espère que la qualité vous plaît, voilà j'ai changé les paramètres comme je vous le disais en début de vidéo. Donc ça j'ai pas mal travaillé là-dessus aussi, j'arrive plus à parler. J'ai pas mal travaillé là-dessus aussi pour pouvoir vous proposer une qualité un petit peu meilleure de ce que je pouvais faire dans le premier épisode. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo à un maximum de monde. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Goopagrasson, enfin à la prochaine, salut. Yeah.